waouh, c'est la CGU. Bienvenue. Maintenant, cassez-vous. Allez, viens, Boyd. Je supporte pas de les voir. Hé, hey, les CGU, sentez-moi ça. Ça pue presque autant que vous. À mort, les fascistes, à mort. De toi. Le noyau mobile. Je vais pouvoir le faire marcher. Arrête de lui porter. Seul ami que j'ai à l'heure qu'il est. CGU par ici! Je vais pas te mentir. Oh merde! Putain de merde! Sale garce de Lena! Cette salope s'est tirée avec notre seule pièce de valeur. Elle avait ses raisons. Freddy et Norsco aussi. Qu'ils aillent se faire foutre avec leurs raisons. Ils nous ont trahis. Rejoindre la ferme thermique. D'accord. Alors tout cet endroit fonctionne à l'énergie géothermique ? Apparemment. Pas con, mais ça demande beaucoup de forage. J'imagine que le ver géant a fait le plus gros du boulot.
installer cet électro-piège, les jeunes! Ils ne tiendront plus très longtemps! On est là, qu'est-ce qu'il vous faut? On a un Silverback, mais elle est seule capable de le piloter! Comment on allume ? Regarde là-bas. C'est New Hope ? Non, les coordonnées de Marcus indiquent le nord-est. On n'est plus très loin. Va juste falloir décoincer le skiff. Tu sais ce qui me saoule le plus dans tout ça ? Voir JD faire ami-ami avec Faz. Depuis quand ça dure ? Ça fait des mois que Jean les envoie en mission ensemble. Tu t'attendais à quoi ? Ok. Plutôt cosy, à condition d'être bricoleur. Ouais, ça me va très bien. Je vois rien là-dedans. Jack, éclaire-nous. Des trains militaires. La seule opération menée dans le coin, c'est Tempête des Entrailles. Ils
ont attaqué les locustes, sous terre. Il y a peut-être du matos à récupérer dans ces wagons. Oh merde, elle, on a de la compagnie. Transporteur. On a vraiment pas la place de bouger là-dedans. Planquez-vous. Planquez-vous. Attention à l'explosion. Planquez-vous. Planquez-vous. Bon sang. Note pour plus tard. Évitez les tunnels obscurs. Voyons ce qu'il y a dans ce wagon. En espérant que ça vaille le coup. Les notes d'un ingénieur de la CGU. Ça parle de système de refroidissement de drilles. Bien sûr. Il lançait des drilles depuis les dérives d'assaut, pas loin d'ici. Être quelque part dans ces bois. Attends, un camp d'étrangers. Aussi loin au nord? Tu crois qu'ils viennent du village d'Oscar? Peut-être. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ils venaient du village d'Oscar, Lena et Norsko. Après ce journal, ils se sont réfugiés ici après la destruction de leur nouveau camp. Et ils se sont fait encore attaquer. Bien sûr, on te dira quand on l'aura trouvé. Voyons où ça nous mène. Ça ne mène absolument nulle part. Regarde ce que tu peux faire. Apparemment, Niles avait un cobaye préféré. Une salle d'observation. Ils épiaient cet enfant. Tout ça me dégoûte. Faisait exactement. J'étais pas dans la confidence, mais ça avait quelque chose à voir avec... Thank you.
m'occupe de la navigation. T'as vu ça? On a une tour radio droit devant. Reste à espérer qu'une transmission de New Hope est transitée par là. Quoi qu'il en soit, il nous faut les données de transmission de deux tours, pas moins. Une seule ne suffira pas à déterminer l'origine de ces messages. Dans ce cas, au boulot. Une lettre de Cole. Elle date pas d'hier. Rapportons-la au Skiff. Ça fait drôle de se dire que Marcus, Cole et Baird se sont battus ici dans le... J'étais une jeune rebelle. Sympa. Et quel genre de truc tu rappelais? Des explosifs, des munitions et parfois de vieilles rations. Oncle Oscar était le seul à oser les manger. Ouais, ça m'étonne pas de lui. Ce type était prêt à becquer tout et n'importe quoi. Et à boire par la même occasion. Bon, trouvons un moyen d'entrer là-dedans. Attends, je veux regarder ça. Y a quoi là-haut? Allez, ouvrons ça. Tu sais, je pensais qu'on savait où étaient tous les étrangers, mais on en a raté beaucoup pendant un siècle. Comment ça se fait? La plupart des étrangers veulent pas être trouvés. Dans la CGU. Je préférerais eux que la Verline. C'est parti. Merde. Je m'en doutais, mais... Putain. J'arrive pas à croire que les Niners Go aient pu survivre à ça. Si on faisait le tour pour voir si on peut trouver des explosifs.
Hey Kate, tu t'es déjà demandé ce qui arrivait aux gens dans l'Écosse? J'essaie d'éviter. Ouais. Mais il y a peut-être une partie d'eux, même infime, qui reste humaine. Non, il n'y a plus rien d'humain. Bon, allez. Reprenons les recherches. Del, tu sais ce que c'est, ce bâtiment? On dirait une station pour la tour radio. Il y a peut-être du matos? On dirait qu'il y a eu du passage. Je me demande si c'était les étrangers. Si on veut aider son ami, je dirais qu'on tient une piste. Forcément, la console marche pas. Il y a du courant là-dedans. C'est peut-être juste un fusible qui a sauté. Faudrait trouver un tableau. Drôlement sécurisé pour une tour radio, non? J'en sais rien. Comme si je bossais ici. Tu sais, avec cette nuée, chaque fois qu'un condor est abattu, ça devient une usine. Ouais, parasité ou non, j'ai jamais pu saquer les bottes. Ouvre ça, Jack. C'est bon, je crois qu'on a tout récupéré. Allez, on grimpe. Allez. La bonne blague. C'est une sorte de...
bordel, une station. On va jeter un œil? Ouais, allons-y. Ça? Regarde, près de la porte. Il y a un message. Selena, l'étrangère qu'on a trouvée. Son ami s'est fait piéger dans une cosse, alors elle l'a bouclée là-dedans. Autrement dit... Il est toujours dedans. Del, le code qu'on a trouvé. C'est bon, on doit y aller. Ok, prends l'autre côté. Cette cosse. Jack, grille ce coffre. J'ai trouvé un truc. On dirait une pièce de pisteur modifiée. Ouais. Eh ben, on a trouvé des trucs intéressants. Ok, allons voir ça. Oscar a participé à l'opération Tempête des Entrailles. Il disait que Cédric vous propulsait sous terre comme un missile. D'après lui, il y en a plus d'un qui a vomi son déjeuner. Tu vas être content, un autre module de refroidissement. J'ai trouvé des armes par ici. Le reste de l'épave doit être par ici. Del, des modules encore fermés.
moins, Falco a eu la gentillesse de nous dégager le passage. Jack, ouvre le coffre. Tech. Et une idée de ce que c'est? Ouais, on dirait un amplificateur de signal. Avec un transistor à jonction bipolaire. Jack va pouvoir s'en servir! Que demande le peuple, hein? Hé, déconne pas avec ça! Le spray de Jack va prendre un sacré coup de boost. Et ça va nous rendre vachement, vachement plus fort. Tu sais à quoi j'arrête pas de penser? Au jour où on a débarqué dans ton village. Jack, on a besoin de toi. Envoie une impulsion. Ça ? J'ai trouvé l'autre. Sans déconner. Évidemment, nous ne pourrons pas continuer tant que les jets cryogéniques ne fonctionneront pas. Cela vous embêterait. Sale boîte de conserve. Les jets cryogéniques sont sûrement alimentés comme les tourelles. Trouvons le générateur. Je suis vraiment impatiente que vous nous expliquiez ça. Oh, ce sont simplement les vestiges d'un vieil accident industriel. Del, ces cuves, c'est les mêmes qu'à New Hope. Ouais, j'avais remarqué. Ah oui, mon travail initial là-bas était de guérir les enfants d'un remède. Je lui donnais des créatures surpuissantes. Ici, s'il vous plaît. Suivez-moi. Ah, vous devriez trouver ceci plutôt intéressant. Et vous allez y mettre fin. Et si je refuse? On vous effacera. Et on détruira toutes vos précieuses recherches. Nice, j'ai besoin de savoir quelque chose. Mon grand-père, qui c'était? Un de mes meilleurs généticiens. Il s'est enfui. Remarquez ma petite attention. Vous n'êtes plus vulnérable à la ruche et votre mère a été réveillée. Enfin, si on peut dire. Connard. Je vais te tuer! Pense pas qu'ils nous entendent. J'en ai rien à foutre! Lancement du confinement cryogénique. Veuillez quitter le laboratoire immédiatement.
C'est Niles! Alors mets sa main sur le scanner! Identification. Directeur Niles Sampson. Approuvé. Arrêt du confinement cryogénique. Accident industriel, mon cul! Avant de se vider de son sang, il a mis le congélo à fond! Bon débarras, connard! Del? La matriarche a disparu. Non, je suis sûr que ce sera pas. On doit retrouver Del. Allez! Libérer la matriarche était imprudent. Vous allez mourir. Savoir. Let's go.